victimes, je le dis en préambule, en raison de la journée qui a parfaitement décrit de Mathieu et de cette culpabilisation extrêmement lourde qui pèse sur ceux qui, avec colère, en effet, posent cette question-là. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « mais il n'y a pas besoin d'être algérienne pour commettre des horreurs », et on cite Michel Fourniret, Émile Louis. Évidemment, et vous noterez d'ailleurs, et c'est pour ça que je prends le temps de le dire, vous noterez d'ailleurs que quand l'horreur, cette horreur abominable qui est d'aller toucher à des enfants en plus dans des circonstances abominables, personne n'a l'idée d'aller exprimer sa colère à l'État comme s'il avait été défaillant. Évidemment que le politique ne peut pas empêcher en tout lieu et tout le temps le mal de se produire ou des personnes en effet possédées par le mal, par cette pulsion de mort, de passer à l'acte. Simplement là, dans ce cas-là, ce n'est pas cette question-là qui se pose, c'est que vous êtes devant une horreur et vous vous dites, est-ce qu'il était possible de l'empêcher? Cette femme n'aurait pas dû être là en vertu de la loi française. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, dit cet après-midi, notre réponse, c'est la République. Mais prenons-le au sérieux, la République, c'est un ensemble de lois. Or, dans cette loi est inscrite l'obligation de quitter le territoire français, obligation de quitter le territoire français. Donc c'est intéressant. Donc la question, c'est pas de savoir, c'est pas de souligner l'origine algérienne, la nationalité algérienne de cette femme par plaisir ou par idéologie ou par option politique. C'est simplement ni d'ailleurs pour ni ramener la petite Lola, ni soulager ses parents, ni adoucir nos cœurs aujourd'hui. La question, c'est simplement de se dire, est-ce qu'il est possible, en se penchant sur cette question, de ne plus jamais avoir à constater une horreur dans cette situation, alors qu'on aurait pu l'éviter. Voilà pourquoi on se pose et on se penche sur la question de l'OQTF. Alors, vous l'avez dit, l'OQTF, ça a souvent été un débat. On se souvient des deux jeunes filles assassinées à la gare de Marseille en 2017 par, alors là, c'était un Tunisien en situation irrégulière. Le débat avait porté sur l'OQTF parce que, en l'occurrence, elle n'avait pas été prononcée deux jours avant, puisque la personne qui signait les OQTF à la préfecture était absente. On avait posé la question, le préfet avait été limogé. Beaucoup de personnel de préfecture à l'époque avait dit « Mais vous savez, la personne n'était pas là, on n'a pas couru tous les bureaux pour le faire. Pourquoi ? Parce que de toute façon, vous signez une OQTF, elle n'est jamais exécutée. Donc en effet, on n'a pas remué ciel et terre pour aller signer cette OQTF. » Donc ça, on disait déjà long. On se souvient de ce prêtre assassiné en Vendée en août 2021. Là, c'était un Rwandais qui était entré illégalement en 2012, qui avait été visé par 3 arrêtés de reconduite à la frontière, qui était toujours là. Il avait un an avant été arrêté pour avoir incendié la cathédrale de Nantes. Il tue ce prêtre. En août 2020 encore, une étudiante séquestrée, battue et violée chez elle à Angers. Là, on avait affaire à un Kosovar qui avait 2 interdictions du territoire à son actif, qui avait été condamné 6 fois depuis 2018. Même un profil pareil, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas exécutée. Mai 2021, une retraitée de 69 ans qui est cambriolée et violée chez elle sous la menace d'un couteau. L'agresseur, en l'occurrence, est un Algérien en situation irrégulière, lui aussi sous OQTF. Ces histoires-là, il y en a beaucoup. Ces histoires-là, en l'occurrence, avaient été très médiatisées. Il y en a qui le sont beaucoup moins. Et alors là, j'ai pris récemment. Juillet 2022, à Brest, agression pour vol de téléphone. 45 jours d'ITT. C'est énorme, hein. 11 points de suture sur le visage. L'agresseur, un Marocain, déjà sous OQTF. Il est interpellé, on lui redonne une autre OQTF. Août 2022, à Maison-Alfort, une jeune fille de 19 ans, cambriolée, violée sous la menace d'une arme. L'agresseur, un Algérien, déjà sous OQTF, à qui on avait déjà demandé de quitter le territoire français. 28 août 2022, tout ça est très récent donc, hein, agression d'un couple d'octogénaires, on en avait un petit peu parlé, à Choisy-le-Roi. Là encore, un Algérien qui était arrivé clandestinement en 2009, connu pour cambriolage, vol, violence, outrage, 2 OQTF à son actif également. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est que la colère ne vient pas de nulle part. Ce profil est récurrent et le calvaire vécu par ces gens qui, on va pas faire une échelle de l'horreur vécue, mais je veux dire, le calvaire vécu par ces personnes aurait pu être évité si la seule loi française était prise au sérieux, à la fois par les personnes qui sont visées par ces obligations de quitter le territoire, mais par l'État français lui-même qui devrait prendre très au sérieux le fait de se faire respecter quand il exige le départ d'une personne de son territoire. Mais a-t-on une idée précise de ce que représentent et deviennent ces OQTF dans la réalité? À quoi servent-elles exactement?
Alors, on estimait en 2011, j'ai trouvé, et il y a très peu de chiffres, hein, par la force des choses, déjà on parle d'immigration irrégulière, il n'y a pas du nombre de délits ou de crimes commis par des personnes sous OQTF, mais on estimait, pour vous donner une idée, en 2011, on estimait qu'il y avait 700 000 clandestins présents en France. Ça a forcément augmenté depuis, puisque les départs sont moins forts que les arrivées. 700 000, on a 120 000 OQTF qui sont prononcés chaque année, et on a 1 800 place en centre de rétention administrative, qui est quasiment le seul moyen, et on va le voir, et encore, de faire en effet exécuter l'éloignement. Donc ça vous donne une idée déjà de notre impuissance par rapport à cette situation. Ensuite, il y a de multiples situations dans lesquelles l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être prononcée. Quand la personne est mineure, on en a déjà parlé, quand la personne peut justifier d'un séjour régulier en France de plus de 10 ans. Mais parfois même, il peut être irrégulier. Simplement, vous pouvez régulariser votre situation si vous prouvez que vous êtes là depuis longtemps. Et on en avait déjà parlé aussi, certains réussissent à prouver qu'ils sont en France depuis longtemps en apportant leurs OQTF. Puisque je vous assure que du personnel de préfecture me dit... Vous avez une personne qui arrive et qui donne les 4 OQTF qu'elle a eues au fil des années. C'est donc la preuve qu'elle était bien en France. Non, mais c'est pour vous dire à quel point le système dysfonctionne. Vous avez un mariage de plus de 3 ans avec un Français, ou si vous êtes père ou mère d'un enfant mineur né en France, dans tous ces cas-là, vous pouvez être rentré illégalement en situation illégale. L'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être prononcée. Donc déjà, vous mettez beaucoup de personnes à part. Ensuite, sur ces OQTF, et c'est les chiffres que vous me demandiez, il y a une mission sénatoriale qui avait été faite, qui disait, et je la cite, « Le taux d'exécution des dites mesures s'est continuellement détérioré sur la dernière décennie. Le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français a atteint, au premier semestre de l'année 2021, un niveau historiquement bas, 5,7% d'obligations de quitter le territoire français qui sont exécutées. » En 2019, et j'ai pris cette année-là puisque c'était avant le Covid qui a un peu déréglé toutes ces questions-là, c'était 13% d'OQTF exécutés. Et encore, une OQTF exécutée, ça peut être par exemple une personne qui vient d'un pays extra-européen qui est éloignée dans son premier pays européen d'arrivée. C'est-à-dire, mettons un Malien au hasard, arrive par l'Italie, si la France l'éloigne vers l'Italie, l'OQTF est exécuté. Ça ne veut pas dire que le lendemain, il ne peut pas repasser la frontière, puisque vous savez que les contrôles à l'intérieur de l'espace Schengen sont faibles. Donc on est totalement dépassé sur la question des OQTF. Emmanuel Macron promettait 100% d'OQTF, Gérald Darmanin l'a répété, ils veulent changer les choses. Comment est-ce qu'on explique cette inefficacité totale? D'abord, l'OQTF, elle est prononcée au moment, vous savez, d'un contrôle d'identité ou de la commission d'un délit. Être clandestin en France n'est plus un délit depuis 2012. Donc il faut que ce soit à l'occasion d'autre chose. Un contrôle d'identité, on l'a vu, en l'occurrence la meurtrière présumée, c'était à l'occasion, à l'aéroport, on contrôle son identité, on découvre qu'elle est en situation irrégulière. Dans l'immense majorité des cas, quand on découvre votre situation irrégulière, vous avez une décision administrative, donc on vous notifie une obligation de quitter le territoire français. C'est-à-dire on vous le dit et vous avez 30 jours pour quitter le territoire français. Alors là, dans l'immense majorité des cas, on vous le dit, et puis on vous le redit un an après, et puis on vous le redit 2 ans après, personne ne suit, évidemment, que cette obligation est respectée. Dans quelques cas, c'est-à-dire s'il n'y a pas de garantie de représentation, vous n'avez pas d'adresse fixe, s'il y a des antécédents judiciaires extrêmement forts, s'il y a une volonté dite de ne pas quitter le pays, alors là, la préfecture peut décider votre placement en centre de rétention administrative. Là, une fois que vous êtes dans le centre, et les autorités françaises ont 90 jours, grand maximum, pour organiser votre départ. Pendant ce temps-là, vous avez 5 passages devant le juge pendant ces 90 jours pour qu'il vérifie que les conditions de rétention sont bonnes, sont respectées, que tous les droits sont respectés, droits qui s'accumulent au fil des années. Et donc, à chaque fois qu'il y a un passage devant le juge, il y a possibilité de casser cette rétention. Alors là, on a 3 problèmes. 1, la majorité des clandestins placés en centre de rétention sont libérés avant la fin de la rétention, c'est-à-dire relâchés en France, en situation irrégulière, mais en France. Ensuite, parmi ceux qui restent, il faut donc si jamais la rétention est conforme et que c'est possible de rester en rétention, il faut ensuite le fameux laissez-passer consulaire. Et alors là, vous avez des chiffres complètement dingues. Algérie, on va reprendre cet exemple-là, en 2021, 7731 OQTF prononcés par la France à destination de l'Algérie, 22 exécutés. Pour vous donner une idée. Et à l'inverse, les visas, c'était très très large, c'est de l'ordre de 70 à 80%
de réponse favorable de la France sur la question des visas. Donc là encore, on a un levier d'action évident. Je m'attarde pas sur les autres pays, mais c'est à peu près la même chose. Troisième problème, une fois que vous avez, donc la rétention est prolongée, le laissez-passer consulaire est obtenu, il reste l'épreuve de l'embarquement du clandestin. Une fois que vous avez tout réuni, et là le Sénat nous apprenait l'an dernier que ce qui arrivait en tête de l'échec de l'éloignement, c'est le refus du test PCR par le clandestin. C'est-à-dire qu'il vous dit « je refuse de faire le test PCR, vous ne pouvez pas le contraindre à le faire ». Alors, Gérald Darmanin avait essayé d'agir sur ce point-là. Donc désormais, vous pouvez poursuivre le clandestin qui refuse d'embarquer ou qui refuse de faire son test. Vous pouvez le poursuivre. C'est-à-dire vous le poursuivez en correctionnel, il encourt une peine, et vous lui resignifiez nos QTF et vous recommencez au début. C'est pour vous dire qu'il y a quand même énormément, me semble-t-il, de leviers d'action pour rendre le système plus efficace et pour éviter que des drames arrivent à nouveau avec une personne qui n'aurait pas dû être là.